Si vous voulez des crédits pas chers et sécurisés, allez dans le site buyfifacoins.com, inscrivez-vous, choisissez votre plateforme et suivez les instructions pour obtenir vos crédits. Et n'oubliez pas le code PARI pour 5% de réduction. Lien et informations dans la description. Salut tout le monde, c'est Paris, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, nouveau tutoriel très très demandé sur la chaîne. Merci pour toutes vos suggestions les gars. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleures techniques de construction et combien attaquer en même temps. Et les erreurs commune à éviter. Je vais passer rapidement sur chaque aspect aussi en vous donnant un exemple ou deux pour que la vidéo ne dure pas une heure. Et j'ai aussi tardé un peu pour faire sortir cette vidéo car je voulais bien analyser les styles des gameplay mais aussi pour avoir des exemples pour vous faire cette vidéo tout simplement. Alors pour ça, lâchez un like, abonnez-vous si vous êtes nouveau et sans plus tarder, c'est parti! Première erreur très très répandue, c'est de faire les une deux rapides et instantanées. C'est la première et la plus importante car beaucoup de joueurs le font. Quand la défense adverse est en place, donc ça c'est dans la plupart du temps, il ne faut jamais enchaîner les une deux rapidement avec vos attaquants, milieu et défenseurs. Surtout pas les défenseurs. Hein. Car premièrement, c'est très très prévisible de voir le joueur qui part en profondeur après l'une deux. Mais aussi parce que parfois la défense automatique suivra le joueur sélectionné et bloque la passe très très facilement. Prenez votre temps les gars et regardez le joueur sélectionné par l'adversaire. Attendez le bon moment pour faire la passe et évitez de donner le ballon à l'adversaire facilement. Une autre erreur à éviter aussi à propos des 1-2, ne les spammez pas. Faites-les quand c'est nécessaire, tout simplement. Et je crois que vous n'êtes pas obligé aussi de passer la balle directement vers le joueur qui part en profondeur. Utilisez-le parfois comme un appât pour que l'adversaire le suit et vous ouvre d'autres situations de passe. Deuxième erreur de construction, c'est de jouer trop sur l'axe. Beaucoup de débutants ont tendance à jouer avec leurs milieux centraux et buteurs uniquement, en oubliant leurs ailiers et latéraux. Bah, c'est une grosse erreur car dans le centre du terrain, l'espace est vraiment serré. Alors vous pouvez pas avancer comme sur les ailes. Vous aurez beaucoup de pression sur vos joueurs par les milieux défensifs centraux adverses, mais pas que, parce que vous aurez la pression de toutes les directions. Par contre, sur l'aile, l'adversaire ne pourra pas vous attaquer de tous les côtés, donc il pourra vous bloquer de deux directions maximum. Donc mon conseil, c'est de prendre la largeur, avancez avec vos ailiers et rentrez vers le centre en cas de pression sur l'aile. Et vice versa, quand il a pression sur les milieux, allez sur l'aile. Essayez de faire des passes en profondeur vers vos latéraux qui avanceront et de passer vers vos ailiers. Et essayez aussi de combiner avec des triangles de ailier, milieu central et défenseur latéral. En utilisant les une de bien sûr quand c'est nécessaire et les appels de balles. Ce qui nous amène au prochain conseil, très 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 important, c'est de connaître les appels classiques et les appels créatifs. C'est une addition de ce FIFA. Donc les gars, les appels classiques sont les appels en profondeur, les appels de soutien et les 1-2. Et ces derniers se déclenchent manuellement avec votre manette. Donc je vais vous montrer comment faire les appels classiques. Mais les autres appels créatifs ou bien dirigés, j'ai fait un tutoriel spécifique pour ça. Vous pouvez le trouver en haut à droite de l'écran. Donc pour les appels classiques, il faut les connaître les gars par cœur. Parce que dans ce FIFA, le jeu est vraiment long et vos joueurs ne feront pas des appels automatique comme les anciens FIFA. Sauf vos buteurs si vous les mettez en dos de la défense. Bref, les appels en profondeur pour lancer votre joueur en profondeur tout simplement, c'est avec R1. Vous appuyez une seule fois sur R1 en visant le joueur souhaité avec le stick gauche. Vous visez le joueur, appuyez sur R1 et il va partir en profondeur ligne droite. C'est la même chose avec les appels de soutien. Vous visez le joueur avec le stick gauche et vous appuyez sur L1 cette fois. Si vous avez des commandes manettes personnalisées, alors dans ce cas vous faites les appels en profondeur avec R2. Et les 1-2, ah, tout le monde les connaît je crois. Vous appuyez sur L1 et vous faites la passe en même temps. Et le joueur qui a passé la balle va partir en profondeur. Mais là, dans ce cas, mon conseil, c'est d'apprendre les appels dirigés qui vont énormément vous aider dans la construction dans certaines situations. L'adversaire n'attendra pas de vous de diriger votre appel. Bref, c'était tout pour ces derniers les appels. On va passer maintenant au quatrième conseil, je crois. Attaquer et dribbler avec sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous êtes dans le côté adverse du terrain, il faut commencer à dribbler avec sécurité parce que plusieurs joueurs ont tendance à accélérer, à partir en vitesse, à essayer de dribbler n'importe comment. Et dans ce cas, ils donneront la balle très très facilement à l'adversaire, soit après un mauvais contrôle, ou après une poussée de balle, ça sera une interception très très facile. Donc celle-ci, c'est la deuxième erreur la plus répandue entre les joueurs FIFA. Et si vous tombez contre un adversaire qui sait défendre un petit peu, il va intercepter très très facilement la balle. Bref, mon conseil cette fois, c'est de lâcher le bouton de sprint en dribblant.
dans le côté adverse, bien sûr. Et tout ça pour éviter que votre joueur pousse la balle. Et en même temps, bien sûr, on parle de construction là. Essayez de trouver des ouvertures de passe et faites des petits mouvements avec le stick gauche. Cette technique fondamentale, beaucoup de joueurs pro l'utilisent. Elle est vraiment simple et efficace. Vous bougez avec votre stick gauche sans appuyer sur aucune autre touche. Vous essayez d'avancer sur le terrain et d'éviter l'adversaire qui vous presse, bien qu'il est sélectionné par l'adversaire. Et en même temps, d'essayer de construire et de trouver des ouvertures de passe. Donc, faites des petits mouvements avec le stick droit. Sans vitesse. Par contre, n'allez pas tout droit. Vous allez tourner et construire avec un tempo moyen. Ne faites pas des passes rapides instantanées, première intention. Ça, c'est à éviter. Deuxième truc, c'est la protection de la balle avec L2. Bien sûr, ne restez pas appuyé tout au long de la construction. Appuyez dans le cas où l'adversaire est vraiment près de vous et vous presse. Dans ce cas, vous allez protéger la balle avec L2. Et ce sera après facile de trouver des situations de passe après que le défenseur a libéré son poste. Troisième truc à faire et à mettre en tête, c'est de faire les ball rolls. Les ball rolls, c'est des râteaux en français. La plupart savent les faire. C'est en bougeant le stick droit vers la droite ou la gauche du joueur. En restant enfoncé une demi-seconde. Et tout ça pour garder la balle près de vos pieds et aussi pour diriger votre joueur vers la direction de la passe. Et quatrième petit conseil, n'hésitez pas à retourner vers vos milieux ou même défenseurs latéraux de préférence quand c'est trop compact et fermé dans le côté adverse. Vous avez toujours l'option d'aller sur l'aile puis retourner vers l'axe. C'est ce que je fais à chaque fois et ça marche pour déstabiliser l'adversaire et la défense adverse en même temps. Passons maintenant à la prochaine erreur à éviter. C'est de choisir toujours la première option de passe ou même de tir. Et celle-ci dans le cas où vous êtes dans la dernière partie du terrain. Ça veut dire aux alentours de la surface adverse. FIFA est un jeu mind game, comme presque tous les jeux en ligne. Donc la plupart des adversaires anticiperont toujours la première option de passe et essayeront de défendre et d'anticiper cette dernière. Par exemple, quand votre joueur fait un appel, n'anticipez surtout pas pour faire la passe en profondeur. Et essayez de trouver un autre joueur qui n'est pas surveillé pour lui passer la balle ou même pour revenir avec vers la première option de passe, qui va être libérée de la pression adverse après que l'adversaire l'a anticipé. Alors n'oubliez pas les anciens conseils et essayez de combiner tous pour ralentir votre tempo de passe et pour ne pas anticiper et pour ne pas choisir toujours la première option de cette dernière. Et entre parenthèses, moi devant la surface adverse, j'évite de faire des unes de n'importe comment, mais aussi je préfère dribbler que de passer vers la première option. Alors soyez vraiment patient et créatif avec vos approches et vos décisions de passe. Vous n'êtes pas obligé de faire une passe ou créer une occasion quand vous êtes dans la dernière partie du terrain. Vous pouvez très très bien temporiser, garder la balle et faire tourner intelligemment autour de la surface et attendez la situation parfaite de la passe ou du tir. Donc aussi, il faut surveiller le joueur sélectionné par l'adversaire avec l'icône qui s'affiche au-dessus de sa tête parce que ce joueur-là est le plus susceptible de vous intercepter la balle parce qu'il est plus efficace que la défense auto tout simplement. Malgré que la défense auto est vraiment très très forte cette année, mais plus en termes de blocage des tirs. Enfin bref, maintenant passons au prochain et dernier conseil de la vidéo. C'est de connaître quelques gestes techniques efficaces devant la surface adverse. Ou même dans tout le terrain parce que j'ai fait deux vidéos concernant ça. Je vous les mets en haut à droite de l'écran encore une fois. Je vous envoie sur cette vidéo très très importante pour finir vos actions quand vous êtes devant la surface. Où je vous montre aussi comment dribbler sur l'aile. Donc au passage, regardez une vidéo, je fais ma pub. J'ai fait une dizaine de tutoriels sur FIFA. Et si vous êtes resté jusque là, alors vous allez vraiment adorer les autres tutoriels. Donc les gars, je crois que c'était tout. Essayez de régler vos problèmes là, avec les erreurs que je vous ai données. Et d'analyser en même temps quelques vidéos ou de live de pro que vous regardez peut-être. Et de voir ce qu'ils feront à chaque situation. Et imaginez qu'est-ce que vous auriez fait dans cette dernière aussi. Et ça, c'est le meilleur moyen pour s'améliorer. C'est de voir vos défauts et essayer de les régler. Même si vous allez me dire, je suis bon dans cet aspect-là. Mais peut-être qu'un truc ou deux vous échapperont. Et c'est ce qui va vous empêcher à construire très très bien dans FIFA. Parce que c'est très difficile. Surtout avec cette défense auto. Donc les gars, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous et partagez-le peut-être avec vos amis qui jouent à FIFA. C'était Barry et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.